Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle figurine de ma collection. Figurine de dinosaure, hein, de chez Papo, toujours. Et donc, à l'écran, ici, vous avez l'Acrocanthosaurus. Alors, avant de un peu plus regarder cette superbe figurine en détail, qui là encore est superbement représentée, elle est vraiment magnifique. Un petit historique sur la bête. Alors littéralement, Acrocanthosaurus, ça veut dire lézard à hautes épines. C'était un grand dinosaure théropode carnivore. Vous vous souvenez, théropode? Trois membres, aussi bien aux pattes postérieures qu'antérieures, et qui se terminent par des griffes. Donc là, c'est bien le cas. Il est donc de la classe des théropodes. Alors c'est un carnivore, il vivait en Amérique du Nord au cours de l'Aptien et de l'Albien inférieur, ce qui donc regroupe, c'est au Crétacé inférieur en fait, de période, voilà, qui se trouve au Crétacé inférieur. Des restes ont été retrouvés en Oklahoma, Texas et même dans le Maryland, hein, qui est pourtant un état des États-Unis qui est beaucoup plus au nord que ce que les deux cités. Hein. Et donc il a voyagé, hein, sûrement ce bon Acrocanthosaurus. Alors c'est un prédateur bipède. Hein. Il est surtout connu pour les longs processus épineux de ses vertèbres. Vous voyez ici. Tout ce qu'en fait ce qui sortait là de son corps, hein, de sa peau, de sa crête ici, jusque là, c'était en fait des épines qui étaient, c'est des excroissances osseuses qui étaient sur ses vertèbres. Alors, c'était un des plus grands théropodes, hein, puisqu'il mesurait 12 mètres de long et pesait jusqu'à 7 tonnes de sang. Alors ça fait beaucoup effectivement. C'était vraiment une belle bête. Alors il est beaucoup plus grand que le Cryolophosaurus que je vous ai montré lors de la première vidéo. Donc il est à l'échelle. Il est à la même échelle que la première figurine. Alors le grondement que vous entendez, c'est le tonnerre. Alors, voyons de plus près cette bête. Ben, voilà, au lieu d'approcher, je vais zoomer tout simplement. Donc comme la première... Regardez, c'est magnifique. Comme la première, vous voyez un petit peu les détails. C'est vraiment spectaculaire. C'est vraiment encore des figurines. Un réalisme à toute épreuve. Alors, la mâchoire est également articulée, vous voyez. Donc là, il fait presque gentil, hein, comme ça. Alors moi, inutile de vous dire qu'ils sont exposés. La mâchoire ouverte, ça fait plus d'impression. Alors regardez encore les détails, regardez la langue. Regardez-moi cette langue, comme elle est bien faite. Regardez un petit peu. Regardez les sculptures, la gravure de la langue. On dirait vraiment comme une vraie langue, avec toutes les stries, les plis que peut avoir une vraie langue. C'est vraiment bien foutu. On a même les morceaux de peau de la mâchoire, vous voyez, à l'intérieur, quand il ouvre la bouche, quoi, la gueule. Donc ouais, c'est vraiment bien foutu. Les yeux, les petits yeux jaunes perçants. Donc les fameuses épines dont je vous parlais, vous voyez, ici. Alors ça, les scientifiques, tout du long, un petit peu... C'est une mini crête, quoi, si vous voulez. Alors donc les paléontologues et autres scientifiques pensent que ça servait à accrocher, parce qu'il avait une masse de muscles au niveau de son cou, ici. Enfin, en tout cas un cou très très puissant et massif,
Et ces épines supportaient justement le poids de tous ces muscles. Donc après, je vais dézoomer un petit peu hop, pour faire voir l'ensemble. Donc là, la couleur, là, ça fait une espèce de camo, une espèce de camouflage qui est très très chouette. Alors en figurine de chez Papo, il existe dans un autre coloris qui est tout aussi beau que je me procurerai. Et c'est exactement la même figurine, dans la même pose, mais dans un autre coloris. Là, vous voyez toujours le détail des membres, enfin des pattes, vous voyez. C'est vraiment magnifique. C'est super beau, quoi. Et c'est vrai qu'on doit regarder les pattes. Moi, j'ai des poules. On dit que les poules sont les ancêtres des dinosaures, mais je veux bien le croire. On doit regarder les pattes de poules et puis les pattes des lézards ou des dinosaures qu'on vous représente maintenant. Ça se ressemble drôlement. Donc voilà, alors c'est une belle figurine, une grande figurine. C'est pas parmi les plus grandes, mais c'est déjà une figurine de belle taille. Alors ici, on est sur une figurine chez Papo en neuve. Ça vaut une petite trentaine d'euros, ça. Peut-être plus même. Peut-être plus. Voilà. Donc c'est vraiment. Vraiment magnifique. Oui. Superbe. Puis alors on a tous les détails une fois encore, la peau, les plis dans la peau. Hein. On sent, à la figurine, on sent que c'est une peau épaisse. Vous voyez, limite. Ça fait un peu une peau d'éléphant. Puis je vais dézoomer, je vais vous montrer le dessous. Vous voyez ? En dessous là, regardez, on a même la petite crête en dessous qui continue sous la mâchoire. Voilà. Donc là on distingue l'articulation un petit peu de la mâchoire. Puis vous voyez dessous là, ça, enfin tout est soigné, hein. Même le dessous, les endroits qui ne se voient pas. C'est vraiment soigné. Hein. Donc pour ceux qui connaissent pas Papo. Ils ont un site internet hein, avec tout leur catalogue, pardon. Catalogue en PDF, vous pouvez le télécharger. Et vous pourrez découvrir tout ce qu'ils proposent dans tous les domaines. Donc voilà les amis. L'Acrocanthosaurus, un superbe carnivore. Bon, et bien écoutez. Fin de la présentation de cette nouvelle figurine. Donc j'ai pas mal de bons retours hein, sur la première vidéo, donc je compte continuer ce concept hein, pour vous montrer d'autres figurines. Voilà, écoutez, excellente journée à vous toutes et vous tous, et à très vite. Grrr.